Coucou les loulous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale don. Je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais je suis sur un groupe de dons privés réservés aux membres du 77 où les gens font des propositions pour donner à d'autres gens. Après, voilà, vous vous débrouillez. C'est-à-dire que, par exemple, je donne ce stylo, les gens me disent « je suis intéressée par ton stylo » et tout. C'est à la personne qui donne le stylo de choisir à qui elle va le donner. Ce groupe est à l'initiative de Doralie. Vous ne la connaissez pas, et moi non plus d'ailleurs, mais c'est Nani qui m'a fait découvrir ce don, et c'est Happy Together qui est, je me souviens, ma référente, celle qui s'occupe de donner les dons à Nani, et ensuite c'est Nani qui me les donne à moi, parce qu'on habite un petit peu loin, bref, tout ça. Donc je remercie ces trois personnes énormément pour tout le boulot qu'elles font, enfin Nani, oui quand même, parce que je lui cherche sa voiture à chaque fois plutôt pas mal, et Happy Together, elle s'occupe de dispatcher les dons et tout, c'est un petit peu le bordel. Bref, dans cette vidéo, on va carrément déballer tous mes dons. Et donc on commence cette vidéo tout de suite. En premier, on m'a attribué ce petit, ça c'est Happy Together qui me l'a donné, ce petit Winnie qui est assis sur une tortue et qui marche. Par contre, je suis dégoûtée parce qu'il ne fonctionne plus après. J'ai essayé qu'une seule fois, donc je vais remettre des piles vraiment neuves. Celles-là, elles sont quand même chargées, mais voilà, on sait jamais. Je vais donner toutes les chances à petit Winnie. Normalement, le petit machin, il avance comme ça, et je pense qu'il tourne la tête aussi. J'ai eu peur. Je pense qu'il tourne la tête aussi en même temps. Je vous mettrai une annotation si j'ai réussi à le faire fonctionner. En tout cas, il est trop mignon. Ça peut toujours servir de décoration. Par contre, au niveau de la marque, j'en ai aucune idée. Mattel, voilà. Donc, il est trop chou. Il se présente comme ça. Je ne sais pas s'il ne fonctionne pas, si je vais le remettre en don, si je vais le laisser en décoration de ma chambre de la petite. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je le trouve trop choupi. On m'a attribué ceci. Je pense que si vous êtes de la même génération que moi, génération boule d'oreille et génération Diddle et Nina. Oh, par contre, il est pété. J'avais pas vu. Je suis dégoûtée. Il est... En fait, c'est un porte-photo comme ça. Mais en fait, il est pété au niveau de la tête. Oh, je suis dégoûtée. Je sais pas si c'est pété pendant le trajet ou pas. De loin, ça se voit pas. Après, vous pouvez toujours mettre un petit peu de pâte Fimo pour le... Je peux toujours mettre de la pâte Fimo, voilà, pour le réparer et tout. Mais voilà, il se présente comme ça. Je suis un peu dégoûtée qu'il soit pété. De loin, ça se voit pas trop, mais voilà. Un peu déçu. Faudra que je le dise à la personne. Je me souviens plus si dans son annonce il était cassé ou pas, mais voilà, bon, un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. De loin, ça fait toujours son petit effet, et en tout cas, ça me rappelle ma jeunesse d'antan. Alors, quand tu fais partie du groupe de dons, il faut garder toujours tes sacs plastiques, parce que les sacs plastiques vont te servir pour après. Ensuite, on m'a attribué... J'étais obligée de postuler pour cette cagoule, mais en fait, je pensais qu'elle était vachement plus petite. Pour la petite choupinette, une petite cagoule, hein, parce que moi, ma mère m'obligeait à mettre ma cagoule, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'elle échappe à ça, même si on est en 2018, elle aura aussi sa petite cagoule. Et voilà, elle tapera la honte comme les autres enfants, mais en tout cas, la cagoule, tu ressembles peut-être à rien, mais ça te protège vachement du froid. Donc voilà, une petite cagoule fuchsia. Ensuite, je postule aussi pour ma voisine qui a accouché. Donc là j'ai postulé pour ce petit pyjama qu'on m'a attribué, il est en parfait état, il est trop beau. Là vous avez un petit nounours comme ça, franchement il est trop joli, c'est du 3 mois. Hop, d'ailleurs hier j'ai vu son petit pour la première fois, et c'est vrai que j'ai pas le souvenir que bébé Pute était aussi petite, mais elle était encore plus petite que son bébé à elle, parce qu'il y avait une différence de 1,5 kg, et franchement ça fait trop bizarre d'avoir un tout petit bébé. Alors, en même temps je vais marquer ce que je reçois, parce que sinon je vais m'embrouiller. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Turbulette. Donc j'ai reçu... Ah, oh, ça me gratte le nez. Depuis que le chat est rentré, ça me gratte le nez. On m'a attribué une petite Turbulette comme ça, qui est trop choupie. Elle est assez grande. Je sais pas de... Pour quel mois c'est. D'ailleurs, le truc, il s'est enlevé. Mais bon, je sais plus. Mais dans tous les cas, ce qui est nickel avec ça, parce que moi j'en ai, mais c'est des Turbulettes d'hiver, mais là c'est une Turbulette d'été. Donc c'est trop cool. Voilà, c'est de la marque Sucre d'Orge, pour information. Non, il n'y a pas d'information. Elle se présente, hop là, comme ça. Une espèce de petit escargot et une petite coccinelle. Et vous avez, donc vous l'ouvrez comme ça et vous avez les boutons pression en fait pour la resserrer un petit peu. Hop, les petits boutons pression. Voilà, vous prenez comme ça et vous la resserrez. Parce que moi, je ne savais même pas que ça existait ça. Donc... Un bouton pression pour mettre là et un autre bouton pression pour mettre là. Pour raccourcir en fait la Turbulette.
Le seul truc que je trouve un peu chiant avec les boutons pression, c'est que du coup, votre gamin, il va dormir sur, sur du surplus. Vous voyez, là, par exemple, du coup, ça vous fait une turbulette vachement plus petite. Mais du coup, derrière, vous avez ça. Hop, du coup, le gamin, il dort un peu là-dessus, c'est un peu plus molletonné. Je trouve pas ça terrible, mais donc voilà. Au moins, je vous ai appris quelque chose avec les boutons pression, parce que moi, j'étais même pas au courant qu'elle était réglable, la turbulette. Un petit paquet comme ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'adore ouvrir les dons, parce que t'as l'impression que c'est ton anniversaire à chaque fois, parce que tu te souviens plus ce que t'as commandé. C'est pas que ça met du temps à arriver, mais quand tu recommandes un truc, tu le reçois pas le lendemain, et donc du coup, tu te souviens plus. Oh, ça sent trop bon. Alors là, c'est un petit body trop trop choupi avec des petits ananas. Comme ça, il est trop trop choupi. Ça, je l'ai pris pour ma voisine aussi. C'est du 3 mois, 56,60. Oh, c'est tellement choupi. C'est trop 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 mignon. Oh, ma petite, elle était toute petite comme ça. Oh, c'était il y a longtemps. Trop trop beau. C'est de la marque Kiabi. Pour information, et franchement il est trop mignon. Franchement ma voisine elle va être super contente. Un autre petit sac, qu'est-ce que c'est que ça? Oh je suis bête, faut que je garde les sacs plastiques, j'ai dit, je suis trop nulle. Hop là, alors qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plusieurs trucs à l'intérieur. Oh c'est trop bien, c'est pour ma petite choupette à moi ou pas? Parce que moi j'ai pas l'habitude de me rendre compte des choses. Non, 6 mois, c'est pour le petit garçon. C'est trop trop mignon, c'est une petite salopette. C'est de quelle marque? Oh baby, parfait état, il est trop choupi. Ah non, en fait voilà, c'est comme ça. Hop, l'endroit il est comme ça et l'envers il est comme ça. Mais limite l'envers est plus beau que l'endroit. Trop trop choupou, c'est trop trop choupou. Et il y avait deux autres choses tout à l'heure, n'importe quoi, il y avait deux autres choses avec. C'est trop choupi, pareil, c'est du 6 mois, trop petit pour ma petite, mais pourtant elle rentre, je suis sûre qu'elle rentre. Hop, cool boy. Ah, moi, j'ai aucune crainte de mettre ça à ma petite. Hein. Je m'en fiche totalement. Trop, trop mignon. Ça, c'est Orchestra. Ouais. Je reconnais l'étiquette. Oui, c'est Orchestra. Et le petit body là. Oh, trop choupi. Avec un petit éléphant. Et ça, c'est Oborsba. Je connais pas du tout cette marque. Hop, trop mignon. Et pareil, ça, c'est du 6 mois. Donc, trop, trop, trop chou. Ma voisine va être ravie. Encore un autre petit pochet. Alors, j'ai vraiment trop, trop de trucs. Ah oui, dans cette vidéo, vous allez avoir du bruit. Hein. Je vous préviens, les enfants, moi qui ai horreur du bruit. Là, vous allez en avoir. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me souviens. C'est une petite turbulette, pareil. Mais cette fois, elle n'est pas pour moi, elle est pour ma voisine. Il n'y avait personne sur ce don. La message disait hop, 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 pour relancer à chaque fois le don, parce qu'il n'y a vraiment personne qui postulait. Bon, à la fin, j'ai craqué, j'ai dit vas-y, je te prends ta petite turbulette. Donc en fait c'est vrai que sur la photo elle paraissait pas mignonne, mais en fait quand tu l'as en face de toi elle est plutôt jolie. Et donc voilà, pour la voisine, petite turbulette comme ceci, trop trop choupie. Et je sais absolument pas de quelle marque c'est. Et pareil, elle s'ouvre comme ça. Elle est trop trop belle, il va y avoir énormément de choses pour ma voisine, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Trop fort. Ouais, j'avais commandé ça. Je savais pas qu'il y avait un œuf à l'intérieur. C'est trop fort. Il est trop joli l'œuf. C'est trop marrant. Donc en fait. Voilà, ok. C'est des petits assortiments, des petits sets pour jouer. Voilà, je ne saurais pas comment vous dire. Mais là, vous avez une petite glace estampillée Hello Kitty. Là, vous avez. Oh, mais c'est trop bien. Une petite seringue. Ouais, par contre, la seringue est. Elle se re-seringue plus quoi. Donc voilà, une petite seringue. Et c'est surtout pour ça que j'avais postulé en fait. Parce que vous avez deux petites cuillères comme ceci. Et une espèce de petite fourchette. Un truc un peu chelou. Et un petit couteau. Donc la seringue. Bon, ça pourra toujours servir. Mais voilà. Après, dans le groupe de dons, vous avez vraiment de tout et de rien. Mais voilà, il y a toujours des choses. Comme j'ai intitulé dans cette playlist, nouvelle vie aux objets. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je l'avais demandé, il n'y avait personne qui était dessus. Et du coup, on me l'a attribué. Ce qui est pas mal, c'est quand il n'y a personne dessus, vous êtes à peu près sûr qu'on va vous l'attribuer à vous. Hop là, c'est une petite souris, comme ceci. Bon, il n'y a plus de pile à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton on-off. Non. Hop. Mais c'est une petite souris comme ça. Elle est trop choupie. Hop, ça va être pour la petite, pour jouer avec elle, vite fait. Et toi, a pris ta volée,
Pour information, quand vous avez des jouets pour enfants, quand ils utilisent plus, pensez à enlever les piles. Ah ben, aucune pile à l'intérieur. Pensez à enlever les piles, sinon les piles vont couler, ça va être dégueulasse et ça va vous niquer vos jouets. Oui, je suis vulgaire, on a l'habitude. Oh, c'est cool, c'est des petites piles parce que j'ai pas des grosses piles. Oula ! Oh, j'ai flippé. Donc les gars, ça fonctionne, on est plutôt bien. Le petit tournevis de chez Action qui est très 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 bien, les enfants. Celui-là, je vous le recommande à 2000%. J'ai l'impression de mettre du placement de produit à chaque fois, mais il se présente comme ça. Et vous avez plein d'embouts différents. Très, 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 très bien. Valeur sûre. Alors, comment ça se passe? Ok, en fait, il y a un espèce de bouton là-haut. Ouh! J'ai eu peur. Ça fonctionne très, très bien. Chut. Il fonctionne très 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 bien, donc je suis super contente de l'avoir reçu. Donc ça c'est cool, ça va éclater la petite choupine. Hop, on se remet bien. Allez, c'est parti pour un autre désemballage. Hop, un petit, ça c'est sûr, c'est un vêtement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une petite robe, non, une petite salopette pour bébé, bébé Chouk Chouk. Trop mignonne, trop mignonne. Bon, celle-là, il y a le temps, hein. Je pense que ça doit être du 18 mois. Je sais pas, il n'y a pas d'étiquette, mais... ça sent bon. Donc il y a vachement de temps, mais elle est trop 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 choupette et il n'y a pas d'étiquette, donc je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, elle est trop 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 mignonne. J'avais oublié ça dans le truc, dans l'espèce de petit œuf, il y avait aussi ce petit gobelet, donc les petits gobelets c'est plutôt pas mal. Donc c'est un petit gobelet, voilà, tout simple, Hello Kitty, comme ceci. Donc ça c'est chouette à mettre dans l'œuf. Donc prochain colis, c'est parti. Hop, tout ça. C'est vraiment énorme, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop, plein de vêtements. Je me souviens plus pour quel enfant c'est. Genre la fille qui a plein d'enfants, ça c'est pour la mienne. Hop, 12 mois, c'est trop choupi. Un petit ensemble comme ça, avec un petit zèbre et une petite girafe. Et un petit tic derrière, c'est de la marque Cola Kids. Donc c'est du 12 mois. Donc ça, ce sera pour ma petite choupette. Trop choupi. Et pour aller avec, vous avez le petit pantalon. Exactement pareil, et derrière vous aviez le petit ours, donc trop choupi. Ça fait un peu truc de vieux, mais moi j'adore. Il y avait ensuite un petit qu'est-ce que c'est, un petit sweat, voilà, comme ça. Ça c'est du 12 mois, donc ce sera très très bien pour ma petite chérie. En plus, elle a pas dessus comme ça, donc ça se présente comme ça. Hop, trop choupinou. On a ensuite, oh, il y a tellement de choses. Un petit haut comme ça, pareil, du 12 mois. Ah, c'est grand, hein, ça m'a l'air grand. Donc ça, c'est nickel. Moi, je vous l'ai dit, ma fille, elle s'habille autant en garçon qu'en fille. Ça m'énerve, ces histoires. En plus, ce qui me saoule, c'est que des fois, on va dire, non, mais ça fait trop fille. Mais trop garçon, on le dit pas souvent. Hein. On le dit pas souvent. Donc là, voilà, c'est une espèce de petite combinaison. Donc ça, ce serait pas mal hein, pour aller chez la nounou rapidement quand t'es un peu dans le speed. Parce que ça fait habiller, mais en fait, c'est un pyjama. Donc c'est nickel chrome. Et sinon, c'est de la marque Mini Gang. Hop, voilà. Donc là, c'est nickel chrome. J'ai reçu ça. Oh, c'est trop choupi. Qu'est-ce que c'est? Un pantalon. Oh, j'adore, oui. En plus, elle m'a dit que c'était fabriqué main. Je trouve ça trop choupi. Oh, c'est vraiment trop mignon. Hop. Comme ça. Donc, c'est un petit pantalon. Franchement, en plus, le fait que ce soit fabriqué main, mais c'est trop... je sais pas. Moi, ça m'émeut. Donc, trop bien. C'est un ensemble, en fait. Oh, c'est vraiment adorable. Me dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué avec ses petites mains. Par contre, ça va gratter un peu. Ça m'en mettra un body en dessous. Hop, comme ça, elle va être trop mignonne avec ça. Trop, trop choupi. Et oui, c'est un autre truc aussi fabriqué main. C'est un ensemble. Et là, c'est un pyjama. Il est magnifique. Ah, il est magnifique, je me comprends. Il est comme ça. Hop, il est comme ça. Il est trop beau. Ah, personne qui l'a fabriqué main, bah franchement, chapeau. Et là, il peut s'ouvrir comme ça. Trop, trop beau. Ah, franchement, je kiffe. Elle va avoir bien chaud avec ça. Je kiffe. Merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé ça, au cas où elle passe par là. Ensuite, j'ai eu deux petits bodys comme ceci. Ça, c'est bien pour la petite choupette. Elle est comme ceci. Enfin, il est comme ça. C'est de la marque Petit Bateau. Et vous avez l'autre rose qui est exactement pareil avec un petit chat. Donc, marque Petit Bateau. Et ça, c'est du 12 mois, 74 cm. Donc, trop, trop, trop mignon. Pourquoi j'ai la tétine de ma fille dans le sac de dons? J'en ai aucune. Ah, je sais. Parce que je l'avais oublié chez Nani. J'ai oublié chez Nani. Merci Nani, merci beaucoup pour la tétine.
Oui, la dernière fois, elle avait transporté la petite et la petite avait oublié sa tétine dans le sac. Donc, merci Nani, j'ai récupéré la tétine parce que toi, tu me dis rien. Autre don, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, trop bien. Hop là, j'enlève la petite étiquette. En fait, quand tu fais des dons, tu marques à qui tu donnes et qui tu es pour que la personne puisse remercier. Donc ceci, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un puzzle, en fait, voilà. Oh, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, elle a très bien emballé ça. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez, vous enlevez les petits vêtements de la petite Pichoune, et en fait, ensuite, vous pouvez lui mettre ce pantalon-là, ce pantalon-là, ce pantalon-là. Je suis super contente de l'avoir reçu, c'est vraiment trop choupi, et c'est vraiment nickel, c'est trop trop bien. Donc voilà, ces six éléments-là s'en vont, et ces deux-là s'en vont. Donc du coup, ensuite, vous habillez la petite comme vous voulez. C'est trop trop chou. Franchement, merci beaucoup, je kiffe. Tout petit. Il faut que je garde le sac plastique. Il faut garder le sac plastique. Toujours garder les sacs plastiques. Pourtant, moi, je déteste ouvrir les trucs comme ça tout doucement. Ça me stresse. J'ai reçu un petit porte-clés, voilà. J'avais demandé ce petit porte-clés. Je le trouvais plutôt mignon. Il est comme ça. Hop, et puis je me suis dit que ça, ce serait parfait pour faire une activité pour la petite. Je vous expliquerai le comment du pourquoi après. Mais voilà, un petit porte-clés. Et derrière, c'est marqué ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que moi et l'anglais, ça fait 10 000. On continue. Et je vais être dans le speed parce que j'entends la petite Pichoune qui est en train de se réveiller. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est tellement choupi. J'avais ça quand j'étais petite. Vous savez, c'est le petit bonnet que vous mettez comme ça. Et ensuite, vous mettez, on dirait une bigoudaine, et vous mettez la petite écharpe comme ça. Vous voyez l'idée? Je suis sûre que vous aviez ça aussi quand vous étiez petite. Donc ça, c'est trop trop choupi. En plus, je pense que ça va être à sa taille pour cet hiver. C'est nickel. Qu'est-ce que tu faisais là-haut, chatou? C'est nickel. Très très bon état. Vraiment parfait. Il y a encore l'étiquette. C'est de Tex Baby. Tex Baby, voilà, trop chou, et franchement, j'adore la couleur, un vieux rose comme ça, je kiffe, donc merci beaucoup, et ce petit pull-là, trop mignon, c'est de la marque Influx, je connais pas du tout, mais trop mignon, c'est du 12 mois, franchement, elle est trop choupie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe, ça va être son pull de Noël, vous savez, les pulls un peu comme ça, là, trop choupie, ça sent trop bon aussi, oh, je kiffe, j'aime bien sentir, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore sentir les odeurs des autres, sauf les odeurs qui puent. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé ça, parce que vous savez que moi je fais les petits pots moi-même, les petits pots de la choupette. Et si vous me suivez, si vous voyez mes vlogs, vous savez qu'il y a plein de mouches à chaque fois chez moi. Bon là ça va être l'hiver, donc il n'y a plus de mouches. Mais voilà, donc en fait, quand je fais les petits pots de bébé, je mets un sucre comme ça. Ah par contre ça sent pas très bon ça. Alors mettre un petit coup dessus, hein. Oui je sais, bah, j'ai le droit de dire que ça sent pas bon quand ça sent pas bon, hein. Bon, c'est pas grave, c'est normal, ça sent renfermé, la personne a dû le stocker, de toute façon moi aussi j'ai plein de trucs qui sont pas très bons parce que je les stocke dans ma cave. Bref, tout ça pour dire que c'est super ça, parce que moi, quand je fais mes petits pots, je protège des mouches et des petits volatiles, et donc voilà, ça c'est nickel, et même en été et tout, quand vous faites des trucs dehors, vous mettez le plateau de fromage sous la cloche, et c'est nickel. J'en avais acheté un déjà chez Action, et donc du coup... Oui, je m'en remets pas. Et donc, du coup, j'en aurai un deuxième. Donc ça, c'est cool. Et je remercie énormément la personne de me l'avoir donné. Et en plus, franchement, c'est un peu kitschoun, mais moi, j'adore. Ah, cool! Les petits dons. J'avais demandé un savon à la rose, voilà. Parce que j'aime beaucoup la rose. Et donc, j'ai reçu le savon à la rose. Je peux pas vous montrer le packaging, mais de loin, ça donne ça. Hop là. Parce qu'il y a mon nom dessus. Il est trop, trop beau. Il est comme ça. Il est trop trop joli. Jeanne de Provence, établie à Grasse depuis 1978. Il est trop joli. Je kiffe ça, ça sent très 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 bon. Donc ça c'est cool, je suis super contente. Je pense que je vais me laver le visage au savon maintenant. Hop là, autre petit colis. Qu'est-ce que... Mais c'est la même chose? Ah non, ça ressemble un peu. Oh, la personne a mis des petits cœurs sur l'emballage. Trop mignon. Donc ça c'est un... Ah non, c'est pas un pyjama. C'est trop joli. C'est du quel âge? Oh, 12 mois, nickel, je vais pouvoir le mettre pour la petite Pichoune. Trop joli. En plus, c'est estampillé Disney, j'avais même pas fait gaffe. Et un petit damalsien, je pense, dessus, parce que c'est de la marque Disney. Bon, moi, la marque Disney, j'en ai un peu rien à carrer. Donc voilà, donc c'est un petit sweat comme ça, du 12 mois. Donc ça, c'est nickel. Ce sera nickel pour la petite. Il a l'air bien molletonné. Il sent très bon. Bien molletonné. Et ensuite, ça arrivera pour le bébé de la voisine.
Bon, il ne reste plus énormément de choses, mais il va falloir que je sois dans le speed. Oh là là, tout ce que j'ai. Pour Nani de Elsa. Ah non, mais c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi du tout, ça. Non, non, non. Je pensais qu'il me restait plein d'autres choses, mais ce don-là n'est pas pour moi. C'est Nani qui a oublié de le prendre. Donc, du coup, nickel, je lui donnerai. Donc, voilà. Ça, c'est nickel. J'avais demandé un porte-clés comme ceci. Hop. C'est de la marque Smart Raymond. Je sais pas ce que c'est. J'en ai déjà acheté un à la brocante et j'avais carrément oublié que j'avais demandé. Mais sur celui-là, il y a plusieurs boutons différents. Donc pareil, il faut mettre des piles. Oh, c'est relou, dis donc. Il faut mettre plein de piles à chaque fois. Je me tâte à acheter les piles Panasonic, vous savez, qui sont vendues chez Action. Parce que moi, je les aime pas du tout. Mais je me dis, pour les jouets de bébé, c'est clair que ça vaut moins cher. Et puis pour voir comment tu joues avec, je sais pas, je me tâte. Je verrai. Je vais peut-être me laisser tenter. Des piles, par contre, c'est des grosses piles. Merde. Ah bah si, j'ai des grosses piles. Oh, j'ai la flemme. Oh là là, j'ai trop la flemme, les enfants. Je vais prendre les petites piles du petit Winnie. Allez, sac dans là, dis donc là, dis donc là. Allez, on y va, on y va. Papa dans maman. Ok. Hop, allez, 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 on n'a pas le temps. Ok, donc c'est un porte-clés comme ça. Voilà, elle est différente. La musique est un peu chelou. C'est un peu graveleux, hein. C'est un peu bizarre. Donc voilà, donc plein de trucs différents. Donc c'est plutôt cool, elle en a déjà un. Mais celui-là il est beaucoup plus gros. Et puis voilà, ça change un petit peu. Donc c'est cool, je suis super contente. Et enfin... j'ai plus besoin de ça. Et enfin, j'ai eu, hop, Nani qui m'a donné ce panier métallique. Ça, pour information, c'est vendu chez Action, parce qu'elle l'a acheté il y a pas longtemps, mais en fait, je sais plus ce que j'ai passé, mais elle en veut plus. Et c'est un panier donc métallique comme ceci. Il est juste énorme, 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 énorme. Il est trop, trop, trop beau. Il y a des petites anses comme ceci. Franchement, il est trop, trop beau. Je sais pas s'il existe en blanc ou pas, mais voilà. Ça se finit en haut l'action en fait au final. Hein. Mais voilà, il est comme ceci, donc il est trop, trop cool. Et je suis super contente de l'avoir eu. Donc merci ma nani d'amour. Donc c'est trop, trop cool. Je sais pas ce que je vais mettre encore à l'intérieur. Pour le moment, on va mettre les vêtements à laver. Hop là, hop là. Hop là, hop là. Donc voilà, j'ai reçu tout ça de vêtements quand même, plus les trucs pour la voisine. J'avais oublié, il me reste un truc. En plus, pas des moindres. J'avais demandé ce... Excusez-moi, je suis là. J'avais demandé qu'on m'attribue un vélo. Hop là, par contre, j'avais pas fait gaffe qu'il était autant abîmé comme ça. Mais bon, il faut, voilà, il faut le nettoyer. Et ce qui est dommage, c'est qu'il manque la barre qui est juste là. Mais ça, je le savais déjà dans sur la photo. Après, du coup, ça peut être dangereux. Mais bon, on verra, on mettra un bout de scotch là. Donc, c'est un vélo comme ceci. Hop, avec les petites pédales, voilà, il est rose. Tout ce qu'il y a de plus simple. Peut-être qu'il y avait un truc là avant. Bon, c'est vraiment, de toute façon, ce vélo-là, il allait finir à la poubelle. Donc, moi, j'ai préféré le prendre. Et voilà, ça pourra toujours servir à la petite choupette quand elle aura l'âge de faire du petit vélo comme ça. Et bah, franchement, c'est nickel chrome. Du coup, j'ai même pas besoin d'acheter de vélo. Donc, il se présente... il se présente comme ça, il est rose et franchement, ce sera nickel. Deuxième vie à votre objet, pourquoi se prendre la tête? Une fois que ce sera bien lavé et tout, peut-être sécurisé ici, ce sera nickel chrome. Donc, du coup, voilà, je suis super contente qu'on m'ait attribué ce petit vélo rose. Ouh, et ben voilà, on est bien Tintin. Donc c'est cool. Donc je remercie les personnes qui croiseront le chemin de cette vidéo pour tous les dons, toutes les choses qu'elles m'ont attribuées. C'est super cool. Et je remercie une fois de plus Happy Together, Nani et Doralie pour tout le boulot qu'elles font. Très très cool. Et je vous remercie aussi vous de m'avoir regardé. Donc sans transition, je vais aller m'occuper de la petite Pichoune qui s'est réveillée. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous remercie de m'avoir regardé, profitez bien de vos proches, profitez de tout. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un commentaire, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup d'être encore là. Ah oui, la vidéo est finie, mais t'es toujours là. Donc plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. Ça tombe. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.